la culture, les formations, l'évangélisation, l'éducation, la santé. Suivez Toxic FM, le seul Kaseka sur les cadres. Suivez du lundi au vendredi à partir de 7h AM Sport à la Une. Et chaque dimanche de 12h à 14h Sport Débat. Toutes les dernières informations sportives locales, nationales et internationales sur Toxic FM. À Radio Toxic FM, les sports, c'est notre affaire. La culture, les formations, l'évangélisation, l'éducation, la santé. Suivez Toxic FM, le seul Kaseka sur les cadres. Suivez du lundi au vendredi à partir de 7h AM Sport à la Une. Et chaque dimanche de 12h à 14h Sport Débat. Toutes les dernières informations sportives locales, nationales et internationales sur Toxic FM. À Radio Toxic FM, les sports, c'est notre affaire. Les amis sport radio télétoxique, bonjour. Matin, c'est jeudi 12 octobre 2023. C'est deuxième sortie émission sport là pour semaine là. C'est quatrième jour dans semaine là, puisque nous connaissons lundi et mardi pas dernière émission sport sur radio, sur tout sport à la Une dans matin 7h-8h. Parce que jeudi, nous prenons assister à une belle émission sport sur Radio Télé Toxique avec Metelus Batelmi qui n'a micro et puis Jean-Oni Destin qui a pas touché bouton. Sur le plan local, nous prenons pour ne parler de championnat. Un mien, il faut fête Immaculée de Marie, qui peut déraper le 10 novembre, qui peut venir là. Nous parlons pour parler autour de finale, qui a réalisé dans mon Bethel, c'est pour demain dimanche là, une finale, mais qui est quitté, envoyé deux fois déjà. Un mien, monsieur, pour compter puis offrir lui. Un mien, c'est pour demain dimanche, 15 octobre là, finale ça, dans mon Bethel, les mêmes, les pour le fête. Sur le plan national, nous parlions pour un ballon de sélection nationale noire, puisque gagné bien Franzi Pierrot, très tard, qui doit annoncer qu'il n'est pas présent
pour l'équipe haïtienne jeudi à 6h dans le pays Suriname. Nous parlons de outils détaillés sur la question ça. Mais nous parlons pour nous parler de sélection de moins de 20 ans. Nous avons un tirage au sort pour Coupe du Monde qui parle de vini là, qui fait dans la Coupe Miami. Haïti, qu'on est dans le groupe qu'elle trouve lié. Un groupe qui paraît un peu facile pour sélection nationale noire. L'irrité pour que ces messieurs moins de 20 ans préparé yo pour capable disputer une bonne coupe du monde, bon éliminatoire coupe du monde. Nous connaît Haïti qui prend bien la bataille, nous faisons avec mesdames yo, mais nous pouvons faire avec monsieur yo. Seulement dans la catégorie U17, nous devons entrer, nous devons jouer un mondial déjà, une liste pour éliminatoire, un calendrier pour éliminatoire Coupe du Monde U20, mais qui tombe là. Nous parlions pour nous parler de expatrié nous yo, soit Don Dixon Lusius, ou encore nous parlions pour nous parler de Kennedy Antoine lui-même et Ronaldo Damus lui-même qui est mis tout feu pour le week-end qui se passe là, un week-end qui doit le réaliser, un week-end qui doit le mien bouillé à talent expatrié nous yo. Et bien nous déjà nous parlons pour ne pas parler de calendrier ça et nous parlons pour nous parler tout de mesdames ça soit Nélia Monésir, Diana Pierre lui et bien et puis Daniel Dumonet, Melchi Coventina, bon bonne mesdames yo, qui fait parmi meilleurs et mien joueuses qui gagnent pour semaine. Nous parlons pour ne parler tout de Melchi Daniel Dumonet qui trouvait l'équipe type troisième journée DK1 Akema dans le pays la France. Sur le plan international, jeudi pral gagner des matchs amicaux, pral gagner match dans question éliminatoire Coupe du monde 2026 dans zone Am Sud là, pral gagner Ligue des Nations CONCACAF qui pral entrer en ligne de compte jeudi dans émission avec plusieurs détails puisque dans basketball NBA pré-saison lui-même qui a continué faire chemin. Nous pour aller dans tennis là puisque gagner un Masters 1000 Shanghai là qui a continué et bien non et qui a continué là moment à parler là et nous pour aller un petit détail pour nous porter pour puisque gagner des équipes qui a regardé comment ils ont prendre des joueurs clés pardon pour mettre en dans équipe yo surtout à l'échelle internationale surtout avec un pile club tant que Real Madrid lui-même qui eh bien a cherché un vrai prince en attaque un vrai attaquant prince Victor Osimhen lui-même figuré dans liste si là et Carlo Ancelotti hier tout gradué dans l'autre discipline pour même qui c'est fanatique émission sportage à Olivier c'est eh bien tout ça nous pral gagner pour développer dans émission sport pour matin. On dérape avec actualité yo sur le plan local concernant un championnat qui pral organisé par Ligue Football Port-de-Payan. Il y a un tournoi Ima Copa qui annonce la couleur avec un affaire de 9 clubs qui étaient champions dans différents championnats vacances pour Anissa. Il y a un championnat Nokabzo qui déjà montré un capable de réussite par rapport à l'équipe qu'il a dans yo pour Ligue Football Port-de-Payan. Le 10 novembre qui pral vini là, c'est pral coup d'envoi une grande compétition ça n'a pas que
et n'a pas cap à la morgue, c'est pour le Doka FC qui sera le champion dans le championnat qui sera organisé dans la cour Oberlin et qui va le toquer contre lui face à l'équipe Mikado. Mikado sera le champion dans le tournoi qui sera organisé à l'occasion fête pour le Lacona et bien Coupe Saint-Michel. C'est Mikado FC qui sera remporté trophée ça et bien grande ouverture championnat et bien Imakupa, c'est pas pour le 10 novembre qui pral vini là. Et maintenant, mon bitel championnat Tipoto pendant vacances là, qui doit annoncer la couleur. Yon tel championnat Tipoto qui va en pile parler d'Eli. Yon championnat Tipoto qui doit annoncer dans la ville Port-de-Paix, mais dans mon bitel. Grande finale là, c'est pral pour demain dimanche là, entre FC Rapace qui pral gagner pour le faire finale face à Magic 9 dans le championnat qui a joué dans mon BTL yon telle compétition pendant vacances là qui était déjà annoncé la couleur une balle de tonne pour nous connaître qui s'est pas le passé pour les amis auditeurs et bien qui connectaient émission sport si là qui c'est sport et à la une yon émission sport qui passe du lundi au vendredi sous antenne radio télé toxique sur le plan national pour qu'on y a là n'a dit que gagné mien 3 grenadiers dans championnat différent au total sur podium meilleur joueur pour mien semaine qui dans le boucle le 10 octobre 2023 qui saute passer là Dixon Luizius va continuer pour le guider Goupillon dans pays Danemark. Ronaldo Damus lui-même il va gagner chance pour le jeu dans USL Championship là. Carnegie Antoine encore week-end ça dans pays Portugal tabal sacré et étoile montré très décevant en aller avec Dixon et dans offrir une victoire pour Odense Bolt Club et mais dimanche 8 octobre là et mais Dixon Luizius toile et mais permettre club lien imposé sous formation Nord Island là dans pays Danemark un goal à 0 dans 11e journée et championnat danois unique but contre l'Antal Maké à la 24e minute de jeu avec un super Dixon Luizius qui devra permettre que équipe Lyon a gagné 3 points et dans contre lui et est arrivé dans ses 5e goal pour international haïtien dans la Super Ligue 1 mais avec numéro 30 il continue à marquer esprit un grand artisan yo dans la Coupe Danemark et sous terre danoise là il continue pour faire plaisir à des joueurs qui aussi intéressants dans le championnat si là on allait avec Ronaldo Damus grâce à doublé à la 19e et 27e minute de jeu. Formation San Diego Loyal là, t'as mal imposé le score de 4 goals à 2 et mais face à Oakland Woods samedi 7 octobre là dans le cadre 33e journée ISL Championship là pour te permettre que l'équipe Lyon ait avancé dans le classement. Et mais nous pral dit que Haïti pral gagner pour le jouer et mais jeudi à compter de 7h l'heure étrangère 6h le haïtienne contre Suriname la CAI Suriname mais avec absence et mais artisan un grand artisan sélection nationale là qui s'est Franzi Pierrot qui te balle ou est que le droit humilié dans l'aéroport avant pour te rejoindre l'équipe nationale là jusqu'à présent sur question de comité normalisation qui a permis ça si MIA sélection nationale là te recevoir et la Kaili en Haïti et bien monsieur gagne pile joueur nous gagne un pile joueur qui est important nous voilà perdu et bien dans question et humiliation que après du gagne Franzi Pierrot qui pas capable présent pour sélection nationale là assoyant contre Suriname. L'autre côté toujours avec actualité on allait dans question catégorie des moins de 20 ans et mesdames que tirage sort contre CACAF éliminatoire Coupe du monde masculine U21 qui t'a fait hier mercredi dans la Coupe Miami dans occasion ça Haïti t'a trouvé dans groupe ayant li accompagné de Porto Rico Saint-Kitts et Nevis et Île Caïman un éliminatoire qui va dérouler sorti 23 février pour bout 10 mars 2024 qui va venir là jeune grenadien t'a obligation puis au prépare et dans question
dans la question de tirage au sort, si là, il y a un tirage au sort qui va être bénéfique. Pour les Grenadiers, mesdames et messieurs, nous avons un groupe que Yves eux-mêmes ont trouvé là dans l'IA, mais il y a une telle compétition qui peut déjà faire paille pour les Grenadiers, eux-mêmes qui prennent jeunes Grenadiers, pardon, qui prennent dans la bataille, mais ils prennent une chance pour participer à la première étape là, parce que Il Caïman, Porto Rico, c'est des adversaires de moitié, nous avons dit qu'il y a pour sélection nationale. Loin, bien dans la catégorie Yves, nous connaissons toujours gagner un bien bon élément dans la catégorie ça, nous toujours gagner bon joueur dans la catégorie des moins de 20 ans, et nous pral return résultat, eux-mêmes, ils pral offrir en tant que ambassadeur qui pral représenter nous. L'arrivée pour nous observer pose là, Jaoni Destin, ou même qui c'est tout de suite fanatique ou encore auditeur qui absuive émission Sposa, il était connecté, et bien, Kademe 11.3, c'est pas le pose là avec École Nationale Technique Professionnelle, La Salle. Jeune garçon, jeune fille qui besoin d'une bonne école professionnelle pour apprendre. Nous portons pour vous École Nationale Technique et Professionnelle. Vous pouvez apprendre dépannage d'ordinateur, électricité bâtiment, carrelage, contremaître, décoration, auto-école, électricité mécanique, anglais. École Nationale Technique et Professionnelle. Espagnol, français, informatique, plomberie, cosmétologie, infographie, art floral, vidéographie, dépannage en machine à coudre. École Nationale Technique et Professionnelle. Climatisation, chimie industrielle. Technique Windows, couture moderne, marketing, entrepreneuriat, menuiserie, mécanique, ajustage, animation et présentation, journalisme sportif, maroquinerie. Pour inscrire, vous avez besoin de photos d'identité récentes, copie à la naissance ou carnet dernier classe fréquenté avec 500 gouttes comme frais. École Nationale Technique et Professionnelle. Une institution de la communauté La Salle dirigée par les frères des écoles chrétiennes de Fatima. Chalet, rue Benito Sylvain. Numéro téléphone nous, c'est 33 51 19 28. 33 51 19 28. Une formation, un métier, un avenir. École Nationale Technique Professionnelle de La Salle. Une école au service du marché du travail. Nouvelle session a commencé en septembre 2023. C'est plus que 34 ans, oui, depuis que nous avons fait service dans le département nord-ouest. Nous avons fait laboratoire, matériel, professeur, espace, c'est nous qui voyons.
mes amis sport 91. Jean-René Destin, avant nous aller avec l'actualité sur le plan international, nous allons prendre pause là avant d'arriver sur la question ça. C'est question Fanzi Pierrot, qui c'est un professionnel qui a évolué en Europe. Et Fanzi Pierrot, c'est qui joue Ligue des Champions déjà. Et ça encore. Neubal, c'est problème avec le comité de normalisation, il n'est pas vrai. Fanzi Pierrot hier, humilié dans l'aéroport avant pour rejoindre le groupe. Qui raison qui cause humiliation Fanzi Pierrot? Papa Fanzi Pierrot, tu parlé dans Mikoula Presse hier. Il dit que il regrette pour le peuple haïtien. Parce que Fanzi Pierrot pas venu pour payer. Comité normalisation, pas payé ticket volant. Vous faites des glaces dans l'aéroport, et puis vous pas payé ticket. Ça, messieurs, c'est le dernier bagage pour nous faire devant les yeux. Le monde, pour nous faire des sans-pideurs, pour tout le monde, c'est vrai que c'est affaire par nous appeler dans cette fédération. Ils ont coupé un comité normalisation inutile. Il y a un comité de normalisation qui n'a pas gagné à revoir, qui n'a pas gagné à revoir à faire pour nos pays, pour Enzo Lorenz, avec toute Molina, tu as monté faux dossier sous Dadou. Même si nous, ça, c'est vrai, Dadou, pas bon, mais il y a pile bagaille qui a répété là. Soudadou, il va répéter. Et l'équipe a voyagé très tard hier. L'équipe haïtienne parle jeudi. Quand il y a un temps de l'équipe par affaire résultat, il va critiquer le joueur pendant ce temps. Il n'y a pas de tête dans le problème. Pour un joueur tant que Fanzi Pierrot, nous avons dit que c'est chouchou sélection en termes de but. Qui a évolué dans haut niveau. Pour attendre pour moun kap gaspiller comme football là dans tête fédération comité normalisation Jean-Yves là a fait moun faire corvé yo pas payé ticket pour Fanzi Pierrot pour qu'elle vienne jouer en Haïti pendant ce temps mais il a fait déplacement sur la Cali là dans aéroport l'arrivé yo checké pour lui comité normalisation pas payé ticket pour lui. On y a, c'est pour Mounsa nous voulons mieux. C'est pour eux nous voulons pour battre. Nous t'as pris ma pile. Bon, bam les quelques notes. Haïti, il est dans le même groupe à Cuba, dans la Ligue des Nations. Là. Président de la Fédération haïtienne de football, le comité de normalisation, là, c'est en Cuba. Haïti a mis Cuba dans la plus bonne position. Est-ce qu'il y a une barre sur le complot? Ça, c'est le monde qui écrit. Après que le comité de normalisation n'a pas payé ticket pour Fanzi Pierrot. Jeudi, c'est hier soir, et bien, Jeanne Soudoula, bien tard, et bien, sélection en voyage. C'est 48 heures avant le match qui va jouer à 6 heures là, plus tard. Pas de aucun Grenadier qui arrive dans le pays celui-là. Calderon ne va faire aucun entraînement. Ce ballon doit entraîner comme ça. Le barabé résultat.
Ou pas le monde qu'on y a pour vous entrer dans aller pour ceci. C'est comité normalisation pour craser pour vous y aller. C'est eux-mêmes qui va représenter rien dans le football national là. Quand le gars qui vient pour mettre en tête pour mettre en tête et une fédération. Mais c'est bravo pour nous. Enzo Lorenz, merci en pile. Ou avec Molina, merci en pile. C'est nous pour remercier. Ou c'est ancien capitaine sélection nationale à vrai. Mais lui nous prend. Tout le monde est carrément joueur. Mais lui nous prend. C'est pas lui nous mon abdakwa pour même. C'est où craser football. Pour pas accepter Thérèse. Pour gérer Tikose Paul. Pour régler l'affaire Paul. Prends mon Molina comme journaliste vicié. Qui par contre, un an, vient création football. Mais ça va pas mettre là. Mais ça, n'a pas besoin de là. Qu'on y a un monde, ou bien elle dit, je vais ça, qu'on y a pu remettre un bagage. Pour le fond, bagage sérieux. Et j'ai repris le cabou. M'gal fait nous tendez, papa, Franzi Pierrot, qui a parlé, qui c'est Franzi Pierrot, qui a parlé et hier matin, et après humiliation, petit lien prien, et dans l'aéroport, en dedans. Il Mais quel que soit sa bureau, nous toujours coordonner au rassemblement de c'était un moment qui était vraiment, c'est un moment qui était vraiment difficile pour bureau. C'est un bagage qui n'est pas secret du tout. Et là, on commence à tirer boulette. Et puis on était là quand il a fait dormir. Et puis c'est les enfants et maman lui l'île qui dit qu'on va y passer, ben ça. Il dit, ah puis on dit, et là c'est mon cap en plus, bon, il va passer parce que non, ça va dans la tête, il dit tout. C'est là il est levé, faut-il lever, il dit maman, persiste les boules levées, et puis monsieur vient lever. Là il est levé, il sentit c'est des gros boulettes, baba et jouet. C'est ça le sérieux qu'il a fait. Et c'est puis on dit qui ça le pourrait faire. Je me suis mis au bagage l'autre chose pour la machine, n'importe côté de ça qu'on va arriver à l'aéroport. Et voilà le problème, l'arrivée à l'aéroport qu'on est là. Et petit passeport bleu, passeport américain. C'était plus grosse difficulté qui était gagnée. Et nous connaissons l'autre bois pied aussi en chiffre. Parce que l'avion quand on venait, c'est ça le vol qui était gagné. L'avion quand on venait était 2 heures de temps parce qu'avion pourquoi t'aller. On est allé, puis on fait toute l'urgence qui gagne. Pas là tout le monde, pas la manager. Donc quand il arrive, il y a bout, il y a pas qui s'en fait encore parce que c'est pas ça important. Et puis, laisse ça, nous n'avons pas le choix, nous contactons le cabinet avocat New Jersey. Et c'est voilà le cabinet avocat, ça allait nous contacter lui, et on parle ensemble avec lui. Qu'on y a avion, et nous parlons avec un avion. Avion, t'es obligé de rester dans le bureau pour te monter avec famille, pour te retrouver moi. Et à Boussou, parce que même quand on prend trois à l'époque, mais puis on dit qu'il y a rentré aux États-Unis. C'est voilà. Donc, Pierrot, et nous connaissons. Pierrot, t'es capable de quitter. Et premièrement, on a fait un ticket. Depuis avant, Israël de. Et quand il y avait sélection nationale là, il y aurait l'air sur un ticket, mais un ticket à Babé. Il fait que le ticket à Babé à 24 heures. Et puis ça vient arriver en Israël. Pas bien l'autre bagaille qui est au café. C'est prendre un avion et venir la caille parce que pays en guerre. Il fait que pays en guerre qu'on y a. Pas bien avion qui a volé. Il y a pris mettre sélection nationale à l'argent. Ça a été payé avant. Qu'on y a, puis on vient jouer nous en tente. Ensemble avec eux, les bureaux de Boston, puis on dit bon qu'on est allé même, les Boston, parce que c'est pas eux-mêmes qui te payent ticket pour Pierrot vienne Boston. C'est Pierrot qui paye pour ticket pour les gens qui sont secours tout à l'heure, ou ensemble tout, pour venir retrouver la famille. Les problèmes qu'on a, Pierrot supposé voyager hier. Depuis 7h du matin, Pierrot a été pour notre pays, on dit erreur. Puis on dit pas qu'à bon point, qui peut aller sous ton droit. Les rivières, on dit Pierrot, ou pas dans le système, on dit tout. Bon, ticket à Téla, ticket à Yosso Réservation, mais ticket à Babéi. Et si toutefois que vous payez ticket, ça, il faut que vous prouvez, moi. Ticket à Babéi, parce que réservation faite,
réservation pas payée après 24 heures, il y a vol ticket ça. Oui. C'est voilà, puis on fait un temps important. Un superstar, c'est un superstar. Nous, on ne va pas qu'on va les bureaux. Mais les bureaux sont superstars. Son superstar pour qu'on est si tant qu'on a tout superstar, c'est parce que nous ne pouvons pas les bureaux. Moi-même, moi en Israël, Pierrot c'est chouchou israélien. Pierrot c'est chouchou dans toute équipe qui passe. Mais je dis à nous-mêmes, nous n'avons pas de monde. Tant qu'on n'est pas de monde, comme ça. Non. Si alors, je dis qu'on y a, ça qui arrive, Pierrot fait tout, dommage qu'on y a Pierrot, Rélé et Madame André. Madame là-bas, excusez-moi si nous l'emmenons. Parce que là, toute la vérité se rose. Et par les jours-là, parce que Gemay a passé en dedans et comité normalisation, ça, je vais avoir souffert, mais je ne vais pas parler. Moi-même, je ne vais pas parler. Et puis, c'est pas mon gueule. Mais moi-même, je ne vais pas parler tout. Mais là, nous payons un ticket, nous faisons tout le monde dit nous payer et puis nous ne payons pas. Ça va faire, c'est pas bon du tout. Et puis, on fait tout le temps ça, important. L'aide de Madame André, dit, oh. On va comprendre, on connaît. Il parle ça, c'est quand même. Et comment ça se fait, blablabla, et puis qu'on y a. Il y a des réservations dans Delta. Il y a des réservations dans Delta. Qu'on y a. Il parle dans le système. Qu'on y a, il voit les bureaux dans JetBlue. Ok, les bureaux viennent dans JetBlue. Il les voit, il achète un ticket pour bureau aller dans JetBlue. Les bureaux viennent dans New Jersey, qu'on y a parce qu'ils sont en connexion fly. Dans JFK International. Les bureaux viennent dans JFK International. Pio, même bagay qui arrive à Boston, vous ne pouvez pas comprendre, monsieur. Monsieur, comprenez-moi bien. Les jeunes garçons qui sont superstar pays, sont en bas bagay, ils sont en Israël, ils travaillent. Et puis c'est ça qui arrive pour qu'on habite avec bagay comme ça. Ça veut dire qu'il est traumatisé. Il fait qu'il est traumatisé. Lui-même, avant ça, pour Pio Ville, je vois, il tire les nazons. Il dit Nazon, je dis à nous pas quitter le pays d'Haïti, nous pas quitter l'équipe là, descendre dans le niveau qu'il y a. Il y a une détermination. Il y a une volonté pour nous voler pour vivre pour Haïti. Moi-même, moi j'aime Haïti. Chaque fois qu'il dit pas, si je viens pour Haïti, c'est pour vivre pour Haïti. Ok? Je dis à nous faire petit place, mise dans l'aéroport. Donc pour n'importe qui. Donc pour n'importe qui. Ça ne peut pas accepter. On y a, mais puis on fait tout le temps. Je ne sais pas si je suis encore sur l'application, si je ne pas trop payé, ou bien dans le comité. Je demande à Pierrot qui ça va faire, et blabla, puis je ne suis pas dans le système. Non. Et je ne suis pas dans l'avion parce que je ne suis pas dans le système. Non. Donc, je ne suis pas encore. Je dis Pierrot qui ça va faire. Pierrot dit, je ne sais pas, c'est pas moi qui. C'est moi qui dis qui ça va faire. Parce que moi, je viens là, ça arrive, je me sens, mais moi, je ne suis pas dans le système. Non, quand tu ne pas confirmé. Ça veut dire, nous faisons réservation, nous ne pas payer. Faut apprendre pour comprendre. Vous avez une réservation, c'est une. Mais là, vous avez une réservation. Depuis que 24 ans, vous n'avez pas un ticket. Ticket à Nilan 2, mais c'est passer tout le monde ça qu'on voyage. Ok. Donc, vous avez dit à Bépio. Vous avez dit à Bépio. Attends. Vous avez dit à Bépio. Eh bien, nous, quand vous avez vu, vous avez vu les Trinidad. Puis vous dites, bon, pour moi, les Trinidad, moi, je ne suis pas personne Trinidad. Moi, je dis que mon avion, pour moi, les Trinidad, ça ne va pas payer. Ça n'est pas bien. L'occasion de nous voler pour voler Trinidad. Pour faire 3 jours pour être dans une sélection en Trinidad. Sans hôtel pas payé, sans bureau pas contre personne Trinidad. Ou ça, c'est ce moment. Bureau dit, il ne va pas faire. C'est voilà. Et après ça, puis vous payez un ticket. Et puis vous retournez. Vous payez un ticket, puis vous retournez pour ça. Excusez-moi. Vous payez un ticket, puis vous retournez pour ça. Merci, Pierre. Ça a passé en dedans comité. Eh bien, c'était réaction et Papa Franzi Pierrot suite à humiliation et superstar et sélection nationale là et surtout club pour l'Algérie Maccabi Haïfa en Israël te prend dans main comité normalisation ça Monique André avec toute acolyte Lio nous ouais comment ça y est en quelque sorte puisque ils ont tel comité normalisation qui pas travailler au profit du football et haïtien qui pas travailler pour la jeunesse haïtienne qui était à contenter yo à gaspiller cop ouais yo pas payer un ticket avion et yo strict pour équipe à recevoir sous terre étrangère c'est ça le problème yo pas payer un ticket avion pour un joueur venir jouer mais yo 40 000 dollars américains pour louer
un espace pour l'équipe nationale en jeu. Ça, je pense que le mois de novembre, c'est l'essentiel de la boute. Et je crois que quelqu'un est ancien joueur, dirigeant club, première et deuxième division, a signé une pétition, a voyé par la FIFA, a voyé dans le CONCACAF, puis a dit retirer Mounsa dans tête comité de normalisation. Moi, c'est conseil ça, je capote ancien joueur, dirigeant club championnat national, première et deuxième division, ancien joueur et nouveau joueur sélection nationale là, doit signer une pétition, puis voyer dans la FIFA, voyer et mina CONCACAF, puis retirer équipe madame et Andréan dans tête fédération haïtienne de football là, comité de normalisation, ça pareil le comité de normalisation, son comité de normalisation, c'est gagoté ou vin gagoté dans football national là, Kobio vient faire pour y aller et pour y aller puis aller bien jouer et dans pays côté pour aller hein et mais mois de novembre c'est dernier limite yo pense que et dirigeant football le pape dormi et ancien joueur et nouveau joueur et toute sélection yo et mais pape dormi il a signé pétition hein, pour voyer dans FIFA voyer dans CONCACAF que et madame Monique André et avec toute acolyte li yo cap manger l'argent football là retirer pied dans tête fédération haïtienne de football. Sur le plan international, avec actualité en transfert, gagné équipe football et Liverpool qui déjà a checké remplaçant pour Mohamed Salah, et mais a trouvé un nouveau remplaçant Mohamed Salah, c'est en dans équipe Real Betis là dans pays l'Espagne qui a trouvé Josa, un jeune joueur mais qui gagne tout simplement 18 ans qui est le Diao, mais qui déjà marqué 3 goals dans 4 matchs qui ont disputé avec équipe équipe Real Betis là, c'est joueur ça qui cap venir en dans équipe Liverpool là pour venir remplacer Mohamed Salah. Mohamed Salah nous connaît qui c'est international égyptien qui a évolué dans l'équipe ça qui est capable d'aller dans le pays qui est capable d'aller dans le pays Arabie Saoudite. Gen Benassia, tout le monde connaît qui c'est ancien joueur équipe olympique de Marseille lui-même qui est bien papal est bien prend poste poste directeur sportif club olympique de Marseille malgré ont été annoncé qu'il était trop proche pour le signer contrat ça comme directeur sportif olympique de Marseille et bien Abdou que est bien Benassia lui-même il a annoncé qu'il papal est bien tout de suite venu comme directeur sportif club c'est là Olympique de Marseille, Amine Harit, Général Gattuso. Nous connaissons Général Gattuso, c'est actuel entraîneur équipe Olympique de Marseille, italien, qui c'est ancien joueur Milan AC, pour qu'on y a là, lui-même, lui a entraîné Olympique de Marseille, gagné Amine Harit, qui toujours a fait parler Deli Nanda équipe olympique de Marseille. Gagne Borussia Dortmund dans pays l'Allemagne qui gagne yeux fixés sur crack Joao Félix qui a pas joué dans équipe Barcelone mais lui déjà et bien ouais que monsieur Borussia Dortmund a préparé des offres aussi intéressantes pour le capable faire venir dans équipe Johan et bien a parlé de Joao Félix qui a pas joué dans équipe Barcelone. Pour qu'on y a là. L'autre côté, toujours Christophe Galtier, préal nouveau coach d'Al Douaïl, et bien nouveau club dans le pays Qatar. Christophe Galtier, français, qui va limoger dans tête équipe Paris Saint-Germain, hein, c'est et bien joindre l'autre contrat dans l'autre département ou bien dans l'autre pays. L'autre côté, AS Monaco, lui-même livré gagner un titre là, année dans Ligue 1, année ça, un titre qui a perdu très longtemps. AS Monaco, nous connaissons fait finale Ligue des Champions en 2004 face à FC Porto. Et bien, AS Monaco qui a longtemps qui pas champion dans le championnat dans pays la France, et bien déjà à bataille, qu'on y a là pour titre là, c'est celle grand rendez-vous qui a gagné, c'est ça, dirigeant et joueur AS Monaco même, yo suite. L'autre côté, et bien, n'a poursuivi avec information yo, on allait dans
Masters 1000 Shanghai, Uber Ucads, même mettez en fin dans magnifique parcours Fabien Maus. Maus San, lui-même, littéral réalisé pour l'honneur Hubert Ucads, littéral qualifié pour demi-finale Masters 1000 Shanghai, là, c'était matin, après victoire en 3 manches. 4-6, 6-1, 6-3, tête de série numéro 16 là, Tral, mais fait grand surprise là, dans le tournoi, Fabien Morazan, Tral, mais rété dans le quart final. Prochain adversaire, Hubert Ucads, c'est Pral américain Ben Shelton ou Sébastien Corda, qui Pral vini comme un mien soit adversaire, et bien, et monsieur Silla, dans Masters 1000. Toujours dans Masters 1000, Shanghai, Rublev, prêt à attendre Hugo Hubert, et bien, dans question, et tennis là, opposé par à Thomas, Tommy Paul, tête de série numéro 12, en huitième de finale, Masters 1000, Shanghai, André Rublev, et bien, pas trembler, et bien, devant, et bien, et Tommy Paul. Wisnal imposé le 2-7 serré 7-5-7-5 pour appuyer notamment gros service li pour aller vers une demi-finale dans le championnat de tennis Masters Shanghai là lui-même qui a joué pour qu'on y a là un dossier à suivre pour question Masters Shanghai là ou même qui c'est surtout fanatique ou encore émission sport à la une. L'autre côté toujours n'a poursuivre avec actualité sportive et bien pour aller dans éliminatoire Euro 2024 jeudi a bien match dans Euro ça a gagné Lituanie qui a joué avec Arménie à 12h, le haïtienne, 2h45, Espagne contre Écosse, Chypre contre Norvège, la Croatie, la Turquie, Albanie, République tchèque, Île-Féroé, Pologne, Andorre, Kosovo, Belarus a joué avec Roumanie, c'est pral pour jeudi. Dans la zone âme sud de éliminatoire Coupe du Monde, a bien Colombie qui a joué jeudi à contre Uruguay, c'est pral à 4h30, match football ça, même libre à jouer dans zone asien match qui déjà terminé Myanmar gagné Mako 5 goals à 1 et bien premier mi-temps match Bosa li fini Maldives 0 goal partout avec Bangladesh Chine tapé a mené 1 goal à 0 sous Timor Leste Singapour 0 goal partout avec Guam Népal 0 goal partout avec Laos à 8h gagné Cambodge qui avec Pakistan Indonésie Brunei et bien Hong Kong, Bhutan, Afghanistan, Mongolia, Yémen, Pajé avec Sri Lanka, c'est pral pour jeudi. En amical, toujours avec détail à partir de 12h, le haïtienne, la Georgie a joué contre Thaïlande, Égypte, Zambie, la Russie pral joué avec Cameroun, Monténégro, Lebanon, Émirats Arabes Unis a joué avec Koweït, Bahreïn a joué avec Kyrgyzstan, Suède, Moldavie, Algérie pral gagner pour jouer face à Cap-Vert. Non question match pour jeudi, non match amical et surtout zone Asie. L'autre côté toujours hier pour clôturer émission sport pour matin là nous pour aller dans NBA puisque NBA c'est match pré-saison qui joué hier soir LA Lakers encore qui gagnait Sacramento Kings 109 à 101, Philadelphie tombé devant Celtic 112 à 101. Match qui a gagné demain a gagné et Lakers qui a joué face non pas Lakers mais a gagné et Oklahoma Thunder qui a joué jeudi à 7h contre Piston. Cleveland Cavalier a joué avec Magic Orlando, Wizard a joué avec Hornets même 7h01 et a gagné Grizzlies qui a joué avec Oxio à 7h30 et Pelican a joué avec Houston Rockets à 8h, Chicago Bulls Denver Nuggets à 8h Trailblazers a joué avec Sonsio à partir de 10h dans basketball
NBA. Merci à tous les amis qui étaient connectés à l'émission Sport là pour aujourd'hui. Rendez-vous avec Sport. C'est pas pour demain vendredi pour tout dernier détail dans l'émission Sport. Il était connecté 91.3 en FM Sérieux. Tout de suite après, on prend l'actualité 91 avec Séval James.